YouTube, on est reparti sur Diablo 2 Resurrected. Le mal est revenu et on va lui casser la gueule. Et on va commencer par lui casser la gueule dans les petits souterrains évidemment. Arc de chasseur. Est-ce que c'est pas mieux pour ma pote là? Attendez. Dégâts 4-10. On passe à 4-13. C'est clairement mieux. 15 au score d'attaque, 10 endurance. J'ai quoi là? 20 au score d'attaque. Vas-y, c'est mieux. Hop. Le mal. Non, le mal. Oh, le mal. Déchire son t-shirt et fait ressortir sa pilosité. Patatar, tu parles de la pilosité de tes oreilles, c'est ça? T'as pas besoin de... Tu sais que tu n'as pas besoin de déchirer ton t-shirt pour qu'on la voit, hein. Enchanté par Laura. Il y a une meuf qui s'appelle Laura dans le jeu. Et qui enchante des démons, quoi. Franchement, elle est pas sympa, Laura, hein. Potion de mana. Ouais, c'est ça, garde tes oreilles poilues cachées sous le casque, toi aussi. Ah là là, je t'aime. Backgammon. Entendu, les démons, ils disent backgammon. Je sais pas pourquoi il joue au backgammon, mais... Viens là, toi. Ça tire à balles réelles. Ah bah oui, ça... Pas de favoritisme, hein. Je traite évidemment tout le monde à la même enseigne, c'est-à-dire très mal, mais mais c'est le jeu, quoi. Oh, il y a mon golem là, comment il s'est vénère. Ah, yeah, mais mon golem, il avait envie de péter du crâne là. Ah, sanctuaire d'XP. Let's go maintenant. Hein. Allez, faut qu'on trouve des ennemis là. De l'ennemi, de l'ennemi. Si possible, de l'ennemi coriace. Mais évidemment, il va y avoir personne, juste pour faire chier. Oh, quelle horreur. Ah, le pire truc qui peut arriver, hein. Vous chopez le sanctuaire d'XP, derrière il n'y a plus rien. Il me semble qu'il y a un niveau 2 quand même.
dans le passage souterrain. Plein la gueule. Ah, il y a ma Merco qui a augmenté d'un niveau. Je suis très content pour elle. Aïe! Oh putain, ils font mal hein. Oh les salauds ouais. Alors que mes squelettes ne meurent toujours pas hein. Je sais pas comment c'est possible mais ils sont toujours pas morts hein. Une coiffe, regardez. Arrête. Arrête, mec. Merci. Voilà, c'est bien. Prends ça, toi. Dissomana de elle. Ah ouais. Pourquoi j'augmente pas ça, là? Donc là ouais je me suis bien fait baiser tout à l'heure là. On a affaiblir, vas-y. Je pourrais garder des points aussi hein. Salut Behemoth. C'est ici le monsieur qui a m'agressé qui a reçu un sub. Oui c'est une honte. C'est une honte. Tes viewers ils filent des subs alors qu'on est même pas sur le chat. J'ai été choqué. J'ai été choqué et déçu. Voilà. Ça file des subs au pif là comme ça. Hein? Alors que ça se trouve j'en voulais pas moi du sub. Est-ce qu'on peut le rendre? Est-ce qu'on peut rendre le sub là? J'échange. Ah, j'échange un sub chez Behemoth. Tout Twitch chez Bishop c'est Behemoth ce mois-ci. Ah bah je pense que même des gens qui ne sont pas inscrits sur Twitch ont reçu un sub chez Behemoth ce mois-ci. C'est cool. C'est t'as combien 3, plus de 300 subs pour 600 follow. Je trouve que le ratio est plutôt correct. Hein. Comment ça va Behemoth? Est-ce que ton stream s'est bien passé? J'imagine que oui. Hein. Pourquoi ton stream s'est mal passé quoi? Non, personne de qualité, mais vu que tu veux le rendre, j'ai un doute. 680 follow et 857 subs. Ouais, pas mal. Hein. C'est pas dégueu. Hein. T'as plus de la moitié. T'as plus de la moitié qui est sub. On est bien. Oh, il est encore bourré ce con. J'aime pas, il picole trop et après, voilà. Il est trop chargé quoi. Oh! Merci, merci Genius d'offrir un sub à Behemoth. Il le mérite.
Faudrait que je teste sur ma pote là. C'est... Ah, c'était une baguette nulle. Ah, la baguette nulle. Un point que je garde. Spoiler, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, bouchez vos oreilles. Les bagouzes, quand on aura le cube aura Dream, en fait, vous pouvez combiner plusieurs bagouzes, je crois que c'est 3. Vous mettez des bagouzes n'importe lesquelles, et vous les mettez dans le cube aura Dream, et en fait, ça vous en redonne une avec des caractéristiques différentes. Donc ça permet en fait de les recycler plutôt que de les revendre et que ça serve à rien. Au moins vous pouvez les recycler quoi. Alors 16-15 en dégâts. Quoi ? Je ne peux pas l'utiliser. Comment ça tu peux pas l'utiliser ? Dextérité nécessaire 27, elle est à 53, c'est ok. Force nécessaire 21. Et elle a 40. Elle a pas le droit d'utiliser les arbalètes. C'est chelou. Voilà chacun le sien. Bonjour à vous. Que je bouche mes oreilles ou pas, j'ai rien compris. En fait, il y a un objet dans le jeu qui permet de combiner, enfin de faire des combinaisons. Et il va peut-être falloir que je la change à un moment, elle. Donc, pour l'instant, je peux la garder. En fait, là, tu vois, cette bague-là, elle me sert plus. Donc, je pourrais la vendre. Mais le fait est que quand j'aurai l'item qui me permet de combiner des trucs ensemble, je pourrais mettre 3 bagues de qualité merdique ensemble et dans le cube aura Dream. Et derrière, ça me générera, si j'en mets 3, ça me générera une au pif, mais potentiellement d'une qualité supérieure. Donc plutôt que de les jeter ou de les vendre, vaut mieux les garder pour après les combiner et essayer d'arnaquer des très bons objets, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est plus clair, mais... C'est l'explication, quoi. Je viens de revenir, tu peux réexpliquer ? Non. Non. Voilà. T'as qu'à être là, toi. C'est une honte, ça. Y'a des gens qui lurquent, y'a des gens qui sont pas là tout le temps, quoi. Attention, hein, vous filez un mauvais coton, hein. Y'a moins de moins connus, j'ai compris. Ah. Oh là là! Attention alors, potion de vie, potion de mana. C'est ça que j'aime bien dans le nécro. C'est que même quand vous jouez tout seul, bah vous faites rien en fait. C'est là je suis en train de. Voilà. Je suis en train de looter alors que y a des ennemis et tout, mais moi je loot. J'ai autre chose à foutre que de tabasser les ennemis, quoi. Ah, attends, attends, parce que là, c'est eux qui me tabassent, là. Une cervelière. Saviez-vous, c'est là où on met les cerveaux. Train de life, cette invention des enfers. Comment ça ? J'ai pas de train de life, moi, là. Je crois que j'en ai eu un une fois. C'est comment on m'a offert 50 subs d'un coup, donc forcément. Le train de life, il était facile, quoi. J'ai raté le message de BMOS. Comment ça? Ah ouais, attends. Donc, pour te faire marrer, les gens se sub et offrent des subs depuis que quelqu'un m'a demandé si on pouvait faire un train de live sur ma chaîne et que j'ai dit oui. Depuis, c'est devenu n'importe quoi, ça a commencé en août. Oh ! Est-ce que quelqu'un peut demander dans mon chat si on peut faire
Des trains de live chez moi ou pas? Demandez-moi. Allez-y, demandez-moi. Et je promis, je vous réponds. On peut faire des trains de live, Tony Hub? Dis oui. Oui. On peut faire des trains de la hype sur ma chaîne Tony Hub, twitch.tv/TonyHub. Est-ce qu'on peut faire des trains de la hype chez Silent Genius? Oui. Dès qu'elle se bougera et qu'elle me demandera comment configurer tout son setup. Train de la hype assez régulier niveau 5 à 460. Oh là là, bah, oh le mec. Oh le mec. Et maintenant j'imagine BMOS, non mais si le train de live il a moins de 400%, vous pouvez vous abstenir. En dessous ça sert à rien. Maintenant moi je veux du train, le nouveau train de vie en fait, hein, vraiment. Récupération rapide après un coup, ah bah c'est tellement mieux regardez. Bim. C'était nul, mais pourquoi j'ai gardé ça jusqu'à maintenant? C'était merdique. Une tête de loup. Tête de loup. Non, je suis pas affilié les gens. Calmez-vous. Faut que je me mette à streamer, ça marche si bien que ça. Ouais, alors je t'invite à regarder mes stats. Pour te calmer. Pour te calmer tout de suite. Vas-y. Je t'invite à regarder mes stats. Et direct. Tu vas voir que... après, faut pas le faire pour ça. Hein. Je pense pas qu'il faut le faire pour ça, sinon... C'est le meilleur moyen pour se planter quoi. En gros je stream depuis 2020. Je dis aux gens de faire attention. Et ils pensaient que je voulais pas qu'ils sub du coup. Demande on sait jamais. Mais ouais non faut pas streamer pour clairement en 2021 faut pas streamer pour la gloire quoi. Sinon il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Ou il y a de grandes chances que tu sois déçu en fait. Moi je suis content en fait, là je suis sur un bon rythme, j'ai mes 100$ tous les 3 mois là. Et franchement c'est cool quoi, ça me fait plaisir. De toute façon, enfin voilà, je pense que ça se voit, je prends du plaisir à streamer. Mais clairement voilà, c'est pas mon but d'avoir un revenu supplémentaire quoi. C'est cool de le faire, de l'avoir, mais clairement c'est pas... Les stats sont bien meilleurs que les miennes à coup sûr. Je pense. Peut-être préservé. Non mais arrête, prends les trucs là. Oh putain, c'est chiant. C'est chiant. Parce que ça file des stats pour les nécros ça, les têtes. Gardez. Ajoute des dégâts de poison. Défense 3. Hop. Si ça peut te rassurer, moins je fais de monde, plus j'ai de l'argent. Je comprends rien, Jean. Après, il suffit que tu tombes sur des gens qui peuvent se permettre et à qui... à qui ton stream plaît et voilà quoi, c'est pas forcément c'est pas forcément ouais lié de toute façon au fur et à mesure plus t'as de monde et moins t'as de pourcentage de sub je pense. C'est assez facile d'avoir un gros pourcentage de sub quand t'es petit mais après plus tu augmentes et plus il y a de gens qui viennent mais qui subent pas forcément quoi. Le pourcentage diminue évidemment. En nombre de gens évidemment ça fait plus de monde mais je pense que le pourcentage baisse au fur et à mesure. Des bisous Blacky, plein de bisous et puis tu nous racontes après comment ça s'est passé. Enfin si t'as envie d'en parler évidemment mais voilà. Mais rassure-toi ça va bien se passer. Je te rassure, cœur.
Cœur avec les doigts, regardez. Oh, il est beau en plus, là. Plein de gros bisous, Blacky. En même temps, Blacky, elle se barre quand je veux lui faire un gros raid. Ah bah oui, bah forcément. Je sais plus, j'étais venu te demander et elle m'avait dit je m'en vais. Je m'en vais. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hein. Non mais elle est comme ça. Hein. Blacky, elle est mauvaise. Hein. On a l'impression qu'elle est sympa et tout. On a envie de lui faire des bisous. Mais en vrai, non. En vrai, Blacky, c'est une teigne. Hein. Bonsoir. La meuf super acariate quoi. Bonsoir. Ça pourrait être pas mal ça. Ça c'est nul. Ça c'est pas ouf. Hop. Voilà. Et ça faut que je regarde ma Merco. Si c'est bien ou pas pour elle. Si je te donne ça tu fais quoi? Merci. Non c'est moins bien. Merci. C'est moins bien. Je vends. Antonium il fait des Neuchâtel avec ses doigts. Ouais. Je fais d'autres trucs aussi mais... Bah les stats de tout le monde prennent cher en ce moment. Il y a des jours où des fois je reste avec quelques personnes. Ce qui m'est pas arrivé depuis mes débuts. Rappelle-toi, je suis une connasse. C'est pas, hein? Moi j'ai fait des streams à zéro. Alors c'est pas mal, 4. 4 finalement, c'est pas mal. J'ai fait du stream y a pas si longtemps que ça, là. La semaine dernière, il y avait personne. J'étais tout seul. J'étais tout seul sur mon stream. Ça m'a pas empêché de continuer, hein, mais c'est plus chiant. Hein. Alors, heureusement, j'étais sur Horizon. Donc sur Horizon, j'ai évidemment envie de continuer, quoi. Zéro, comment c'est possible? Bah, même moi, j'étais pas sur mon stream. Non, mais voilà, il y avait personne, il y avait pas d'interaction. Et c'est compliqué, hein, quand ça arrive. Je suis toujours habitué à ce qui est... au moins 2-3 personnes et que ça discute un peu dans le chat quoi. Mais voilà, quand vous vous retrouvez à rien... Ah ! Et ça reste compliqué de pas le prendre de manière personnelle quoi. Faut essayer de s'extraire de tout ça. Et de pas dire voilà c'est personnel ce qui m'aime plus. Mais effectivement en ce moment il y a moins de... Ça baisse un peu en fréquence. Crâne bois Pong Bush. le nom du machin quoi. Et ouais, faut essayer de pas le prendre pour soi quoi. Vas-y. Vita. Je vais garder des points d'XP. Allez hop. Soyons fous, gardons des points d'XP. J'ai la chance d'avoir jamais fait zéro. Ouais, bah ouais. Mais c'est raide hein, quand y a personne vraiment. Puis que ça pas... En fait, c'est ça. Moi, c'est plus que les stats, c'est plus. Quand je fais un stream et qu'il n'y avait vraiment pas d'interaction, tu fais. À la limite, si je sais qu'il y a du monde qui lurk, ça va. Mais quand il y a vraiment personne, ça fait... En fait, j'ai un message, vous savez, j'ai le message automatique qui dit « Allez-y, subez les gens, ça me fera plaisir. » Il est toutes les 40 minutes, je crois. Je préfère 2 personnes qui interagissent que 20 qui disent rien. Ouais, on est un peu d'accord là-dessus. Et voilà, j'ai mon message là qui est balancé toutes les 40 minutes, il me semble. Et quand j'en vois, et quand je vois pas de message dans mon chat, et 2 fois mon message automatique toutes les 40 minutes, et là je commence à me faire, ah, effectivement il y a vraiment pas grand monde dans le chat aujourd'hui quoi. Ça veut dire que ça fait 1h20 qu'il y a personne qui cause quoi. L'arbre brille des
Mais merci le bot, ouais. Ah, c'est bien, ouais, parce qu'il y a au moins le bot qui parle, quoi, mais... disons que le bot... il est pas ouf, hein. En termes de conversation... En termes d'interaction... Pas ouf. On a vu mieux. Alors en plus c'est chiant parce que on voit le... Je vois le message quoi et je me dis tiens ça y est, il y a enfin quelqu'un qui écrit. Et en fait c'est à chaque fois c'est la déception ce que je fais. Ah bah non en fait. En fait non c'est mon bot. Shit. Oh, il y a du monde là. Oh là, attendez, regardez. Oh ! Comment je les ai défoncés là ? Un petit rubis. Mais attends toi. Voilà. Toujours mieux que Silent Genius qui te lance sur des jeux sensibles, sujets par... qui te lance sur, tes, sur des sujets sensibles, sur... bah non. Ah bah oui mais tu sais qu'on n'a pas la... Je vois pas de quoi tu parles en fait. Si tu es dispo ce soir, j'aurais besoin d'une traductrice. Attention Genius hein. Moi aussi je stream ce soir hein. Alors comment on fait? Comment on fait? Après ouais voilà tu sais que BMOS on n'a pas la même vision des sujets sensibles sur ta chaîne et sur ma chaîne. Et moi ça me dérange absolument pas que ça parle de trucs un peu plus compliqués ou que ça parle politique. À choisir c'est renoncer. C'est beau. C'est beau comme tu parles. Pierre feuille ciseaux. Ah non. Alors bien essayé patatarte mais non. Non non, toi c'est moche. Toi tu copies. Toi tu copies c'est moche, voilà. Je suis très déçu par ton comportement. T'aurais pu faire preuve d'originalité mais... Putain j'ai du mal à parler aujourd'hui moi. C'est une catastrophe. Regardez, il y a le bot. Il y a le bot qui a écrit, mais c'est pas deux messages de mon bot d'affilée. Ça fait quand même beaucoup plus plaisir. Ouais, je sais bien, mais des fois, elle fait exprès de me lancer sur des sujets. Et c'est pas de la politique. C'est quoi? Quel genre? Vas-y. Vas-y, genre, balance. Qu'est-ce qu'elle essaie de te faire dire? Alors normalement là le prochain monstre que je vais croiser, ça va être un ennemi d'élite. En fait le sanctuaire de monstres, ça transforme un mob normal en mob d'élite dans le coin. Et j'ai l'impression que ça n'a pas marché là. Bon, c'est obligé de marcher. Pourquoi ça marcherait pas? Des os, j'ai faim. Je manque de carburant. Putain, y a patatarte, il va boire du gasoil, quoi.
La place des femmes dans le jeu vidéo, et on pense la même chose, c'est juste que je le dis différemment. Le fait de pas pouvoir avoir d'enfants, ce genre de choses. Ok. Oui, effectivement. Après, il y a des fois, oui, j'ai vu, j'étais un petit peu en mode lurk chez toi, et je vois Genius qui parle de certaines choses, et je dis rien, mais des fois je serre les dents. mais je suis plutôt du côté de Genius, hein, mais... Après, du genre le truc là qui me vient à l'esprit en disant ça, c'est quand tu jouais à Last of Us et tiens une amulette. Et il y avait Ronin dans ton chat qui disait oh là là mais regardez la meuf elle est enceinte, elle est bonne à rien. Alors que dans le jeu en fait la nana a dit oui non mais moi je veux aller au combat quoi. Et donc Ronan qui dit ah non mais bon une meuf qui est enceinte franchement voilà faut qu'elle soit à la maison et qu'elle bouge pas et il y a Genius qui disait mais non elle fait ce qu'elle veut quoi a priori si elle est enceinte c'est qu'elle est en mesure de choisir pour elle-même quoi donc et qui lui disait un petit peu voilà ta réaction est un peu sexiste quand même et Ronan qui disait non je suis pas sexiste. Et bon, j'avais l'impression bah, qui mansplainait le sexisme un peu à Genius quoi, qui je pense est un peu plus touché directement par le phénomène. Ah c'est Ronin, c'est pas moi. Et oui, on l'a fait comprendre. Bah non mais voilà, tu vois, c'est. Ah mais voilà, c'est, bah, je dis pas forcément que c'est toi qui est le centre du truc quoi, mais c'est les vu que tu parlais des discussions qu'il y a chez toi et qui sont lancées quoi. Effectivement. Et donc là, ce jour-là, moi, j'ai rien dit. Ce jour-là, je suis resté dans mon coin, mais je faisais... Et j'avais envie un peu de le secouer en disant « Mais putain, c'est une meuf qui est en train de te dire que c'est sexiste. Crois-la, bordel !» Ronin, si t'es sur le chat, c'était sexiste. Hein. Voilà. Ce jour-là, c'est piqué un peu, oui. Oulala, oulala. Oh là qu'est-ce muy bien là. Ta maîtrise des squelettes c'est vachement bien en plus. Parce que là il avait 2 7 points de dégâts. Donc là déjà 2 7 points de dégâts, la même. Plus maîtrise des squelettes. Plus les points de durabilité mais ça on s'en fout un peu. Et c'est certi donc je pourrais claquer des trucs dedans. Je pourrais mettre des joyales par exemple dedans. Plus 1 en dégâts minimum par exemple ça c'est nul. C'est nul tiers, mais on peut discuter librement et poser nos idées, c'est essentiel pour avancer. Oui, non, ouais, c'est ça. Bah, c'est un minimum. Attends, si quand tu commences à dire, enfin, à parler de sujet sur un stream, et soit tu te fais kick parce que. Enfin, après, non. Enfin, non. Je suis en train de dire ça, c'est faux. Si vous arrivez en mode ah là là, insérez ici une phrase raciste. Insérer ici une phrase sexiste en mode bien vénère, on voit que c'est juste pour déverser votre haine. Bon, effectivement, non, il est très probable qu'on ne va pas discuter et que vous allez juste vous faire dégager, mais à une vitesse comme ça, tu vois. Hop, tu peux interagir tant que c'est poli et courtois. Le problème d'une chaîne tolérante, c'est que j'accueille tout le monde, mais des fois, je fais comprendre que ça va loin ou je suis pas d'accord. Ouais, ah, moi je dis régulièrement que je suis pas d'accord. Mais tant que ça reste un vrai dialogue, on est d'accord, yeah, c'est ok. Quand je vois que c'est juste du troll ou c'est juste de la merde, bah le mec qui est peut-être d'ailleurs sur le stream, mais qui ne peut plus parler parce qu'il a été banni depuis très longtemps, le centième follow, par exemple, à qui j'ai filé un sub d'ailleurs, c'était le centième, je lui ai filé un sub. Et qui le lendemain commence à nous parler religion et je lui dis calmos mec, on n'est pas là pour ça. Et en plus, enfin, il parlait religion pas en mode on débat quoi, c'était je suis musulman et mon dieu c'est le seul dieu, les autres c'est de la merde.
Et donc là, je lui ai dit calme-toi, mec. Une première fois, où il disait non, mais voilà, Allah est grand, c'est le meilleur. De toute façon, vous devez juste fermer vos gueules, quoi. C'est... Donc je lui ai redit, écoute, arrête, tu vas t'en prendre une. Puis, qui a retesté. Bon, bah, il s'est fait ban, quoi. Donc, il a eu son sub pendant une journée, quoi. Voilà, il a eu son sub pour une journée. Il a chouiné 2 mois après pour essayer de se faire unban. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Ouais, le Ghana Onana agressif qui veut rien entendre de ses bannes. Oui, voilà, on est d'accord. Le streamer est le ou la chef de son chat, au final. Exactement. Ah, très bien. J'ai traduit les runes de ce parchemin. Vous devez toucher les pierres de Cairn dans l'ordre inscrit ici. Est-ce que tu veux toucher mes pierres de Cairn? Oui. Le bouclier, mais je m'en fous le bouclier. Là, j'ai un truc qui est... Ah, 4 balles, ça vaut 4 balles, ça. Ça vaut plus cher. Des trucs. Donc ouais, voilà, tant que les gens sont sympas, moi je pense qu'on peut discuter de tout, quoi. Quand les gens sont vraiment très obtus, tu fais ouais, bon bah, attends. Attends, regarde. Pan. En fait, moi je les banne même pas. Moi j'appelle Genius. J'y dis vas-y, ban. Ça peut te rassurer, même si c'est un très bon pote, parfois les propos de Ronin me font bondir et il le sait. C'est cool que tu lui dises aussi, tu vois. Mais clairement, enfin, tu vois, là, quand je te le dis, en fait, c'est pas toi que je vise. Hein. Mais je sais que, voilà, t'es... Mais chacun choisit comme il l'entend, en fait. Mais ouais, clairement, t'es moins politisé que je peux l'être, et je peux comprendre que tu le sois moins, quoi. Je suis un peu... Je suis un peu raide, des fois, ouais. C'est vrai que j'avoue que je suis un peu brut de décoffrage. Assez souvent. Le chêne pierre. Hop, on va retourner aux pierres. On va faire chanter les pierres. Tiens, ah lui, on lui avait pas cassé la gueule à lui. Ah ouais. Je me rappelle plus, c'était ça, non? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça. Oh, regardez comment c'est beau! Regardez ça, comment c'est mignon! Il y a forcément des domaines dans lesquels on est plus à l'aise ou on a envie d'éviter pour diverses raisons. Mais ça aide à la diversité des streams, ça c'est intéressant aussi. Ouais, non mais... je peux comprendre qu'il y a eu des sujets qu'on n'ait pas forcément envie d'évoquer, quoi. Ouais, je sais bien, mais j'essaie de faire attention à tout, même si parfois je peux être maladroit. Heureusement, je reste humain. Et fais des erreurs pas trop gros. Bah non, mais enfin, je trouve pas que tu fasses d'erreurs, en fait. Je suis pas en train de dire que tu fais des erreurs. Des fantômes et des cendres. C'est tout ce qu'il reste de Tristram. Je suis pas en train de dire que tu fais des erreurs, c'est pas une erreur, quoi. C'est là où t'as envie de mener ton... À partir du moment où t'es pas... Où tu, c'est pas en bloc, quoi, où c'est... non, tel sujet... quoi, c'est dire non direct. C'est aucun sujet polémique. Bon, je pense que là, je te dirais, ouais, peut-être que t'abuses, quoi. Mais si on peut en avoir, mais que derrière... Moi, c'est surtout que je les amène, en fait. Disons que la politique pour moi n'a pas de rapport avec les jeux vidéo et je maîtrise pas assez le sujet pour pouvoir... Exactement, bah voilà, tu vois, c'est là où j'en venais, quoi. C'est, moi j'ai tendance à amener le sujet. Par exemple, sur la prestation de Darmanin hier ou avant-hier, le mec qui se vante qu'on aide moins les réfugiés que l'Allemagne et qui trouve que c'est plutôt positif, est-ce que vous ne pensez pas que ce mec est un gros connard? Darmanin est un gros connard. Voilà. Je trouve que... ça a sa place sur Twitch. Et on peut en parler tout en jouant à Diablo 2.
Pas que pour cette raison. Ah oui, non mais clairement, le mec. Le mec en mode ah là là, regardez comment on est bien. On aide moins les réfugiés qu'on en accueille moins et on les garde moins. Est-ce que vous pensez pas que c'est une bonne gestion quoi? Eh, tu fais mais quel con. Mais quel sale con. Regardez, c'était notre copain dans le 1, lui. Et maintenant, il est méchant. C'est triste. Je trouve ça que c'est triste, moi. Mais toi, je sais qu'il t'intéresse beaucoup. Et combien de fois... Ah oui, mais c'est ça aussi, quoi. Mais c'est Twitter, moi. Franchement, c'est Twitter qui m'a aidé sur la politisation. Hein. Je l'étais pas vraiment. Je l'étais pas du tout en fait. Et Twitter m'a vachement aidé. Hein. Il y a des cartes qui est dans sa cabane là. Moi, je me casse. Moi, je suis en mode attends, je fais le tour. Allez bam, encore un niveau. Trop bien. Tiens toi. Et là, regardez ce qu'on va récupérer. Alors ça, c'est une petite blague, parce que dans le 1, Wirt, c'est un marchand, et on lui file un max de pognon. Et donc là on récupère le pognon parce qu'il est mort. Et c'est quelqu'un qui est unijambiste. Donc on récupère sa jambe et sa jambe servira à la fin du jeu. Moi je suis pas l'actu donc je maîtrise pas le sujet. Ah, disons que j'ai besoin de positif pour avancer. Et disons que le politique dès que je regarde ça me déprime un peu. Ah oui non mais moi aussi hein. Ça me rend assez fou régulièrement. Hein. J'ai juste envie de faire cramer la planète quoi, assez régulièrement. Quand je vois tout ce que je vois, quoi, mais... Bah je vais me barrer, hein. Est-ce que je laisse des cartes Kane dans sa merde? Est-ce que je le laisse dans son petit truc, là? Regardez, il a l'air d'être bien. Aidez-moi. Bon non. Allez, vas-y, je te descends. Je suis vraiment bon avec toi. Je vous remercie de venir à mon secours, mon ami. Eh bah de rien. Écoute. Et il se barre. Et il me laisse. Non mais crame tout seul la planète. Mais c'est encore un autre sujet. Oui bah oui mais... Pas la cramer au sens propre. Moi je rêve d'un monde avec seulement des animaux. Ce serait tellement plus simple. Oh! Eh, Behemoth, il est spéciste! Oh là là! Le mec, c'est un spéciste! C'est pas joli, hein! Il va dire du mal de Rabia dans 3, 2, 1, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi je dirais du mal de Rabia? Elle est où cette connasse en parlant de... Elle est où cette connasse en parlant de ça? Ah, un petit R comme Rabia, tout de suite. Hop. R comme Rabia. Énergie. Energy. Ouh. C'est combien? Quel niveau? 12. Faut être niveau 12. 12. Et je suis niveau combien? Je suis niveau 11. Ah ouais, c'est cool, c'est le prochain niveau. Ah, et du coup, mon charme, il marche maintenant. Trop cool. Non identifié. Plus 3, vision diminuée. Bof. Alors, la jambe de Wirt, c'est dans le stash direct. Ça, on garde. Ah mais il peut identifier les trucs. Mais je suis trop con, j'ai loupé. Non mais ouais. Pour
vous prouver ma gratitude, je vais identifier les objets en votre possession. Merci Descarbes. Je n'ai malheureusement rien pu faire. Disons que les humains me fatiguent, donc les animaux m'embêtent moins. Ils veulent pas communiquer. Ils se barrent. Oui, mais on est des animaux. C'est en ça que je disais que tu étais spéciste. Oui, je le sais. Lorsque notre champion ressortit, il fut fêté comme il le méritait. Oui. Cependant, au fil des jours, il devint distant. Il s'isolait et semblait sombrer dans la mélancolie. C'était compréhensible après les épreuves qu'il avait traversées. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça. Il était de plus en plus tourmenté. Parce qu'il s'est claqué la pierre dans le front. Chaque nuit, il se réveillait en hurlant des propos incohérents sur l'Orient. Un matin, il avait disparu. Et peu de temps après, Tristram subit l'assaut d'armées démoniaques. Les victimes furent nombreuses. On me laissa pour mort dans cette maudite cage. Je suis convaincu que le héros de Tristram n'était autre que l'étrange rôdeur qui passa ici avant la chute du monastère. Encore, je crains que l'esprit de Diablo ait pris possession de celui qui veut le terrasser. Si j'ai vu juste, Diablo est maintenant plus puissant que jamais. Arrêtez-le, ah voilà. Nous sommes tous perdus. C'est vrai qu'on dit souvent que je suis une bête. Ah ouais, carrément quoi. Non mais voilà, on est des bêtes. C'est j'en ai parlé avec ma nièce pas plus tard qu'il y a deux jours. Ouais, c'était mercredi. Mercredi, je suis allé chez mes parents. Et il y a ma nièce qui est en 6ème et donc qui commence à faire de la SVT. Et enfin de manière un peu plus développée quoi que au primaire. Et du coup qui me disait est-ce que on est les descendants des singes? Et donc du coup je lui disais bah non. On descend pas du singe. C'est faux. On est des cousins. Et après qui me disait donc ouais bah ouais parce qu'il y avait un ancêtre commun et après il y a eu les singes et il y a eu nous. Et donc je lui dis en plus ça c'est faux. Parce qu'il n'y a pas eu les singes et il y a eu nous parce qu'on est des singes. Tu sais, elle me regarde un peu bizarre quoi. Bah oui, on est des singes quoi. J'ai dit la catégorie d'animaux dans laquelle on se trouve, c'est les grands singes, comme les gorilles, les chimpanzés et les bonobos. Donc on peut pas dire, il y a eu deux branches qui sont créées, il y a l'ancêtre commun et deux branches qui sont créées, les singes et les bonobos, les singes et les humains, parce que c'est faux en fait, parce qu'on fait partie de la catégorie des grands singes. Et oui, donc on est des bêtes. Un chouïa plus conscient de nous-mêmes, un chouïa, mais on reste des bêtes. Et quoi d'autre? Oui, et puis Néandertal, maintenant on sait que finalement Homo sapiens est pas vraiment une race pure, quoi, et que il y a eu des bisous. Il y a eu des bisous avec Néandertal, donc en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, il est possible qu'une bonne, enfin une bonne partie. Une partie non négligeable de votre ADN, soit de l'ADN de Néandertal, quoi. C'est super intéressant de... Ouais, moi, je suis content que, du coup, elle apprenne ça et qu'on je puisse en parler avec elle. Ça y est, maintenant, elle est assez grande pour que on commence à parler de tout ça, donc c'est cool. Merci. Hop. Néandertal. C'est quelle région du monde? Ah, bravo. Vous avez risqué votre vie pour sauver Kane. Nous vous en remercions. Nous devons lui demander conseil au plus vite. Bah vas-y, il est dans le centre du village. Vas-y. Qu'est-ce qu'il m'a filé? Score d'attaque. Pff, c'est naze. Ah, c'est tellement naze. C'est ça que tu me files, meuf? Ah bah super, hein. Super, hein. Moi, je préfère encore ma résistance au froid. Hein. Ça, je peux virer aussi. Ouais. Hop. J'ai du mal encore avec cette histoire de pourcentage d'ADN de Néandertal qui différerait selon la région du monde. Il faudrait que je me renseigne à nouveau dessus. Vous laissez, j'ai plein de trucs à gérer encore. Bon live, des bisous. Et bah, des bisous, BMOS. Et c'était cool de pouvoir discuter avec toi. Ça fait plaisir. Hop. Je sais pas ce qui te gêne avec ça.
Qu'est-ce que c'est qui te gêne en fait là-dedans, Johanna? Car l'un des consensus actuels étant que tous les humains vivant aux alentours de moins 4 avant GC et encore des descendants aujourd'hui sont dans l'arbre généalogique de tous les humains actuellement vivants. Ouais. Oui. Et et c'est pas en contradiction avec, avec ce que je viens de dire en fait. Il y a eu des mouvements migratoires et tout, donc enfin, je pense que les deux peuvent marcher ensemble. Et Nandertal, c'était il y a 30 000 ans, donc le brassage aurait pu être plus dilué. Ouais. Après, ça dépend aussi. Enfin, bon, je pense que ça. C'est aussi qu'est-ce qu'on considère comme de l'ADN de Néandertal. Enfin, je pense que la question est vaste, quoi. Mais bon, enfin, voilà, c'est pour dire que Homo sapiens est clairement pas aussi pur, avec des grosses guillemets, hein, que ce qu'on pensait au début. On pensait vraiment qu'il y avait une Néandertal, que la race était éteinte. Enfin, que la race était éteinte. Qu'on lui a sûrement cassé la gueule, faut avouer, hein. Et que derrière il y avait Homo sapiens et que ça n'avait pas divergé, que c'était resté comme ça, quoi. Alors que voilà, il y a eu du fricotage avec les deux, on le sait, quoi. Et après, ouais, sur le fait que pourcentage ou pas pourcentage, en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez, peut-être pas, quoi. Mais on sait que de toute façon, il y a eu mixage, quoi. Je suis intuitivement mitigé, j'ai pas dit que tu avais tort, hein, mais que moi j'avais du mal. Ouais, ok. Je vais où maintenant? C'est quoi ma quête maintenant? Ça c'est fini. Dans le marais sombre derrière le bois obscur. C'est parti. Vous avez vu, il y a des rochers marqués comme dans Isaac. En fait, c'est pas Isaac qui avait inventé les rochers marqués, hein, c'est Diablo 2. Hein. Allez, fini de travailler pour aujourd'hui. Quoi, t'avais pas encore fini? Pot de pierre, je lui ai mis 3 coups, le machin il est mort, quoi. Je note que les environnements ont beaucoup. Est-ce que tu serais ironique, Johanna, là? Les emails, logiciels qualité, les bons des collègues, ça prend du temps. Ouais. Ah ouais, bon, t'as le droit d'avoir. T'as le droit d'avoir une vie perso aussi, quoi. Jamais je me permettrai pas. Écoute, si je ne vais pas assez vite, va voir un speedrunner. Hein. T'as sûrement des gens qui sont en train de speedrunner le jeu, donc vas-y. Fonce.
Je te trouve désobligeant. Tiens. Eh bien, c'est réciproque. Je te trouve désobligeante aussi. Tu t'en fous, t'es là pour Silent Genius et pas ta tarte. Oh, même pas pour Blackie. T'es pas là pour Blackie. Ah bah, dis donc. Ça va être la déception qu'on va lui dire. Parchemin, vas-y, ouais. On va casser la gueule au machin. J'ai tapé à côté. Mais quel gros naze. Transfert à Blackie, ouais, bah je pense que, enfin voilà, elles sont faisées à juste titre. Je pense que, mais je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. T'es désobligeant envers le jeu, pas envers moi. Mouais. Mouais. Je serais pas aussi tranché sur, sur cette question, tu vois. Elle est pas dans le chat présentement, alors pouette. Et je resterai juste pour elle quand elle sera là. D'accord. Ah oui, mais donc quand elle sera là, tu seras plus là pour les autres. D'accord, comment foutre la merde. En fait c'est ça, quand il y a Blackie, par contre, Patatart et Genius comptent plus. C'est ça que tu dis. Il faisait un bruit chelou dans mes oreilles lui. Non, il a pris les flèches. Ah, je veux pas les flèches, moi. Oh, les flèches, c'est nul. Attendez, c'est ma quête, c'était ça ou pas? Trouver la tour. Non, faut, voilà. Faut que je trouve la tour. Si tu vas par là, les personnes les plus importantes du chat sont Bibi, Blackie, Silent. En top 1 égalité. En tant que streamer, je me dois de rester totalement impartial sur la question. Donc je ne dirai rien. Je me tairai. Pour moi, vous êtes tous les mêmes. Après, il n'y a pas ta tarte et Number 80. Et en pénultième, il y a moi et enfin toi. Ah là 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 là. Ah, c'est moche. T'as vu que t'es médisante avec le... avec le streamer. Pas que avec le jeu. Je viens de recevoir un communiqué de presse, le truc est quelque peu maladroit. Mettez la patte en avant-première grâce à la démo First Bite. Enfin, First Beat d'ailleurs. Oh non, bite. Non, c'est bite. Non, bite, c'est BIT. Hop, attendez, je peux faire. Est-ce que je peux faire d'autres? Non, je peux en faire que 3. Ça marche. Ils ont vite, j'ai eu peur. Bah oui, un peu, ouais.
Tu es médisante envers toi, surtout pour le coup. C'est normal que tu sois dernier, tu parles jamais dans le chat. C'est vrai. Il est vrai. Il est vrai que il est très rare que je m'exprime dans le chat. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je fais de mon mieux. Hein. Une barbiche jaune, ah ouais. Ah ouais. Sanctuaire d'endu, ça marche. Elle reste à côté, elle. Le petit rocher marqué, là. Les couteaux de lancer, c'est toujours bien. Pas jamais, il annonce les liens. Les liens Twitter et YouTube, c'est vrai. C'est vrai, vous voyez pas, vous voyez pas que je tape, mais je tape très très vite pendant que je joue au jeu. Et je mets les liens. Ah oui, oui, oui. Faudrait que je vous mette la cam, vous voyez mes mains. Vous vous en rendiez compte? Cet endroit pue. La mort. Oh là là, ça fait 20 ans et je me rappelle encore des intonations du gars quoi. Oh mais non, mais pas tout de suite. S'il te plaît. Please. Non, il veut pas. Il n'y aura pas la place. En plus que tu sais pas, parce qu'il joue pas, on voit pas ses mains. Il paye un jeune pour jouer pendant qu'il parle et joue avec sa Go XLR. Même pas en fait, même pas. En fait j'ai un stagiaire. J'ai un stagiaire pour la Go XLR et du coup je lui fais des signes comme ça, tu vois, je fais. Là, il comprend les signes, hein. On a des petits clignements d'œil, des trucs avec les mains. Et du coup, par exemple, je dis... Et ouais, donc voilà, j'ai un petit effet avec la Go XLR. Mais c'est un stagiaire qui fait ça. Pas de petit profit. Hein. Restez un instant. Écoutez-moi. Oh là là, je l'ai tellement entendu, quoi. Ça il faut trop de force, de toute façon je l'ai pas. La bardiche. La bardiche. Ça pourrait servir pour le prochain Merco, mais tu sais en dégâts max on s'en fout complètement. Ouais non mais je trouve autre chose au prochain Merco. Dégâts de foudre c'est cool. Résistance au feu. Est-ce qu'on s'en fout pas ça? Ça va me faire de la place hein. Plus 2 à la force, on s'en fout aussi complètement. Plus 3 au mana, voilà, hop là. Hop là, des trucs en moins. C'est parfait. Tu le nourris au moins le stagiaire? Ah non, après il rentre chez lui. Ah non, 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 il arrive le matin avec son petit sandwich. Le soir, il rentre chez ses parents, puis voilà. Nourrir le stagiaire, mais ça va pas. Nourrir les stagiaires.
Pas comme ça que tu leur apprends la vie, hein. La vie est dure, hein. Faut qu'ils le sachent. Ah, le casque macabre, on pourrait penser que c'est pour les nécros. Et pas du tout. Les casques macrabes. Macrabes. Les casques macrabes, et bah, c'est pour les barbares. Marc, oui, les modos sont pas nourris, je suis bête. C'est vrai. Il faudrait d'ailleurs que je vous envoie un petit truc. Je suis sûr que Blackhead en est mal, mais c'est exactement à ça que je fais référence quand je dis faudrait que je vous envoie un truc quoi. Faudrait que je me fasse une bonne grosse fournée de madeleine et que je les partage et que je vous en fasse envoyer. Il y a Edwardine aussi à qui je dois en envoyer. T'as des news tiens Genius de Edwardine, enfin des news directes, j'entends pas. Pas scammer sur les réseaux sociaux. Mais si t'as des news. Si t'as discuté récemment avec elle directement ou pas. Non, je la laisse tranquille parce que je sais qu'elle doit être débordée, donc pas de news autre, mais elle me manque. Bah ouais, mais c'est pareil, il y a plus de stream. Il y a plus de stream et ça me rend tout tristouille. Quelle idée elle a d'avoir plein de responsabilités là aussi, hein. C'est quoi ça, hein? Tout ça pour devenir présidente du monde là, au final. Bientôt. Oh là là, non j'aime pas ça là. C'est la méga boss, ouais. Dans un jeu vidéo, ça serait le boss de fin, quoi. Le troulasse boss. Je veux bien être son Minus dans sa conquête du monde. Quoi? Mais... Mon gogo? Pourquoi il est mort, mon golem? Il y a quelqu'un qui l'a touché? Moi, c'est bizarre. Pourquoi mon golem il est mort? Il allait bien et d'un coup il est mort. Ah peut-être, il a peut-être du poison. Ah peut-être que mon golem était empoisonné. Ah bah... Ah, ils vont tellement vite quoi. Vous, gants de cuir. Ah, j'ai niveau 12. Maîtrise de golem, c'est sûr. Mur d'os, on s'en fout un peu. Vierge de fer, c'est pas mal. Je pense d'ailleurs que je vais plutôt utiliser vierge de fer maintenant. Attendez, parce que oui. Ah, merde, il va falloir que je décale tout. Attendez, alors F1, F2, F3. Du coup ça va devenir F4, ça F5, puis la Vierge F6,
coup, je peux en faire combien des mages? Je peux en faire un. D'accord. Je vais plutôt échanger les deux là. Ça, vierge de fer, et ça, explosion morbide. Zbam! Allez. Tiens, un grand charme, on va l'identifier comme ça. Voilà, au moins on aura les effets jusqu'à ce qu'on remonte en ville quoi. Ça sera pas inutile. Et encore un anneau. Ça arrête jamais cette tour là ou quoi? C'est pas rassurant hein. Ah merde, je me suis gouré. Ah bah oui, ça a changé. Il va falloir que je m'y fasse. J'ai tué mon gogo. J'ai tué mon lélème. J'ai tué mon golem. Le pauvre. Il avait rien demandé quoi. Il avait rien demandé et moi je le bute. Encore ? Je me rappelais absolument pas que la tour a de temps. Ah. Mise à jour du journal de quête, donc c'est sûrement le dernier étage. Débarrassez-vous de la comtesse démoniaque. La comte... Mais non, je me suis encore gouré. Attendez, je vais aller en ville. Bonsoir. Cette vieille voix. Cette vieille voix de Mère Mackerel. Bonsoir. Du savoir-faire. De l'arbalète. Pas dégueu ça. Alors nous avons quoi? Vitesse de sort très rapide. Ouais non. Non non. Et en stade, vas-y pour le mana. Il y a un moment, faudra que j'augmente ma force si je veux pouvoir porter des armures assez lourdes en fait. Faudra que je le fasse. Un vrai commençant se bat avec une aiguille à tricoter. Bah regarde, j'ai une aiguille à tricoter là. Je veux pas que mon sang y bouille. Ça y est? Ah, des runes!
J'avais oublié les runes. Oui. Gueule. Alors, une réjuve, ok. Du pognon et des bottes pas uniques mais des bottes rares. On va pas se faire chier à tout remonter hein. Bien mon ami, l'alliance du courage et de la chance s'est révélée favorable. Ouais, c'est moi qui fais tout quoi, j'ai compris hein. J'ai compris que c'est moi qui faisais tout. Hein. Répare de la durabilité, on s'en fout quand même. Hein. Il y a un peu plus de défense. Oula, attendez. Récupération rapide après un coup. Là, j'avais quoi? Ah bah, j'avais résistance au poisson. C'était nul. Dexté. Non, bah vas-y, go. On va changer. Ok. Quoi, les runes? J'avais oublié les runes. Les charmes, est-ce qu'on pourra faire des trucs avec les charmes, je sais plus. Effet de poison, vire. Effet du poison, un cimetière. Et le casque, est-ce que le casque serait pas meilleur que celui de ma Merco? Ma Merco. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz. Défense 9, non, elle a un meilleur casque. Hop. Bah la rurune. On va la mettre dans le stash. Tac, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et on va remettre du pognon dedans. Putain mais je suis trop friqué hein. Je suis déjà à 28 000 balles, c'est quoi le maximum? Oh ça va! Ah ils l'ont remonté! Ah, ils l'ont carrément remonté hein, parce que c'était pas comme ça avant. Je vais aller faire réparer mon équipement aussi. Vous avez vu? Lorsque je me suis enfui du monastère, ils disent que mon épée là elle est pas en forme. Radrim, un outil magique. Si vous le retrouvez, je pourrais améliorer vos équipements. Ah! Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée d'améliorer mes équipements. Combien ça? Force nécessaire 20. Ça c'est force nécessaire. Ouais, va falloir que j'augmente la force à un moment. Hein. Ah c'est pareil, regardez les bottes. Putain, les bottes lourdes, je peux même pas les mettre quoi. J'ai peut-être vraiment abusé sur le... sur ne pas mettre de force quoi. Ok, attendez, je remets. Et après, je sais plus où fallait aller. Il y avait voilà une grotte.
On va aller dans la grotte. On va voir qu'est-ce qui s'y passe dans la grotte là. Je crois que c'est à partir du niveau 18 que je vais avoir lance d'os et que je vais pouvoir commencer à faire des trucs, enfin à pu aller au corps à corps. Il va falloir attendre le 18 quoi. Il est pourri ce casque là. Il y avait zéro effet dessus. Alors, moyenne, vas-y. Merde, faut que je refasse mon armure. Je vous laisse, je vais me préparer à manger, Victonium n'attire pas assez de trolls pour m'assasier. Des bisous de Genius. Et de toute façon, je vais pas tarder. Je pense que là, je vais faire ce... Parce que là, ça fait 1h20, là. Je pense que je vais faire la grotte, là, et qu'après, j'irai manger, et qu'on repartira sur... du Outer Wilds, après manger. Du Outer Wilds, ça y est, j'ai spoilé le prochain jeu. On va faire du Horizon, après. Et pas du Outer Wilds. Mais oui, Outer Wilds sera le prochain jeu. Ou alors du Galaxy. Ah, j'hésite. Bon, on verra. Mais j'arrêterai Diablo 2 pour aujourd'hui par contre. C'est certain. Ah, ma Merco qui a pris un niveau. Genre une massue rare quoi. Suspense à tout à l'heure pour la révélation. Pouf, disparition. Ah. Putain, elle est forte hein. Même en magie, elle est forte hein. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire cette Silent Genius, vraiment. Rien ne l'arrête. Comment ça va Marabia? Ça y est, tu te lèves enfin? À cette heure-là que tu te lèves? À 19h20? Bravo hein! Ça a roupillé toute la journée, ça se lève à 19h20 quoi. Marabia c'est une vraie ado hein. Ah, ça y est, on a le niveau 2 là. On va quand même aller faire un petit tour avant. Ah, j'ai plus d'endu, tiens.
Ah merde. Si je mets différemment, t'arrives à le placer le cimetière ou pas? Yes. Ah bah c'est tout. Ok. Et bah hop, on peut retourner en ville. On va identifier quand même nos objets. Merci. J'avais cliqué un peu à côté. Salutations. Ça. Résistance au froid, on s'en fout. Armure de cuir d'épine. J'ai toujours pas récupération rapide, défense augmentée, 2 à la force, 5 au point de vie. Ouais, je pourrais trouver quelque chose de mieux quand même. Et mon gros gourdin là? Ouais, il est pas dingue, hein, mais il se vend bien quoi. Et plus 1 au dégâts max, c'est nul tiers donc. Double sens. Tu aimes bien quand il y a plusieurs sens, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Bonjour à vous. Il est pas dingue mais il se vend bien. Plus 8 emplacements. Force nécessaire 25. Ouais, faut vraiment que je monte ma force. Hein. Je suis à combien? Ouais, je suis à 17 quoi. Je suis à 17 en trichant quoi. Bon, la prochaine fois, on met full en force. Hein. 3, peut-être ben quoi? Peut-être ben que non. Peut-être ben que oui. Peut-être ben que non. Hop. Bon. Poussons le rocher, voilà. Poussons le Ferrero rocher. Je viens de manger une pizza, et eh ben c'était très bon, je suis content et joyeux. Et mou. Ah mais ça se... tu sais qu'il y a des pilules pour ça. Pizza maison? Ou pas pizza maison? Et quel parfum? Quel parfum de pizza tu avais? Comme d'hab, pizza du commerce, après tu rajoutes dessus. Ah, c'est pas mal. Putain, mais y a un bug. Hein. Y a un bug, mais les squelettes, ils crèvent genre jamais, quoi. C'est pas normal. Ils devraient mourir à un moment. Il y a un truc que je pourrais faire par contre. C'est espérer, voilà. Espérer un mage de froid. Et donc comme ça il va geler les ennemis. Et j'avais dit que j'arrêtais après le... grosse sauce tomate, rondelle de chef, tranche... fine tranche de verdameur, un soupiré de fromage... très sec de brebis dessus, chorizo, poivron à côté, une tomate, du concombre, des feuilles. Bah putain, c'est vachement bien, c'est classe!
peut-être me faire une petite pizza sans débo sans rien dessus moi ce soir. Je vais être un peu fou. Nice. J'ai dit force. Faut quand même que j'augmente un peu la force. Maîtrise du golem, ah, j'avais déjà mis un point dedans. Ah bah vous savez quoi, je vais garder mes points. Pour quand j'aurai des... La clé qui a servi à rien du tout, enfin le coffre à fermer la clé qui était nul à chier quoi. La pâte est super bonne, elle a bien gonflé, elle a un petit goût. Pâte bio à l'huile d'olive. Ah mais c'est classe. Tu me files envie du coup. Je commence à voir la dalle. C'est marrant hein. Juste tu me parles de ça et là j'ai le ventre du coup qui fait des glou-glou quoi. Bon allez, le prochain portail de ville, et au prochain portail de ville, après on arrête. Le rocher marqué. L'Arabia qui passe. L'Arabia. Je te veux si tu veux de moi. Et après je vais jouer à Horizon, ça ne sera une soirée parfaite. Ah bah oui. On est d'accord. Dès qu'il y a du Horizon. T'en es où du coup dans Horizon pour l'instant? Enfin, si tu sais à peu près où t'en es, parce que tu peux choisir de faire les quêtes secondaires en premier et tout, donc... Dad is dead, j'ai nettoyé les zones corrompues pour la première fois. Ok. Elle est morte direct quoi. Euh...
Je prends bien une potion quand même. Voilà. Ils se démerdent vraiment tout seuls. Hein. Ils ont pas besoin de moi. Hein. Ah, les. Ok. Cet endroit empeste le démon. On arrive au monastère. Et je fais toutes les quêtes. Ouais, j'ai vu une machine lance-flamme la dernière fois. Elle m'a tué et j'ai quitté. Putain, un rage quit. Il y a un mec sadique avec des abdos apparents qui est nettoyé. Une base de bandits avec moi. Ah, c'est tout ce que tu retiens. C'est tout ce que tu retiens de lui. Alors, les hauteurs de Tamoe. T'es à Moe ? Est-ce que t'es à Moe ou t'es à quelqu'un d'autre ? Est-ce que je me fais la petite grotte là ? Non, je vais. Je referai la grotte la prochaine fois. Là, je vais aller chercher le portail de téléportation qui est au milieu de la zone. J'ai mémoire sélective en effet. Ah, je vois ça. Alors là, c'est full mob ici. Voilà. Direct à son vénère, quoi. Pas mal parti là. Allez, attends, il y a les... Mais qui c'est qui ouvre les portes là? Quel est le connard qui ouvre les portes? Il y a mon golem qui a disparu. Alors les golems ils disparaissent. Ma dextérité elle commence à pêcher la dextérité là. Je touche une fois sur trois. Ça commence à puer du sgueil. Hein. Ah bah c'était là, regardez. Le cloître, il était là. Bon, attendez, je vais en taper 2-3 en plus, là. Putain, c'est atroce ce jeu, en fait. On s'arrête jamais. Hein. Je comprends que quand j'étais ado, c'était la folie, quoi. Parce que... je savais pas m'arrêter, en fait. Hein.
sais toujours pas hein, mais c'est quand même un peu l'enfer hein. C'est typiquement le genre de jeu, allez une petite zone en plus quoi. Petite zone en plus et puis après on s'arrête quoi, mais non on s'arrête pas quoi. Allez hop. On est en ville, on va regarder ce qu'on a récupéré comme, comme objets. On va d'abord tout aller faire identifier déjà, ce serait pas mal. Bonsoir. Bonsoir. Cette voix. Salut. Alors quoi plus 1 à dents. Non c'est vraiment bof ça. Ça c'est quoi ok, on vire. Le bouclier on vire et ça c'est quoi? Affaiblir et ouais bon hop on vire aussi. Le truc de portail de ville et bah, il est plein. Et la petite hachette là. Elle est pas ouf. Donc on revend, on revend. Ouais, des bonnes stats. Heureuse de vous revoir. Il est vraiment pas mal mon Merco. Hein. Plus 3 l'énergie. Ah ouais. Ah, du coup, j'ai peut-être un. Voilà. Hop, j'aurai plus de mana. Parce que quand je vais commencer à balancer des os sur les ennemis, j'aurai besoin de full mana. Hein. Ça va être vraiment ce qui va nous manquer. Mais c'est pas pour tout de suite parce qu'on est niveau combien? On est niveau 13, il faut qu'on atteigne le niveau 18 je crois. Hein. Les compétences, c'est combien? Lance d'os, niveau 18. Hein. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Hein. On verra. Alors maintenant c'est vrai qu'il y a des synergies. Au tout début du jeu en fait il n'y avait pas les synergies. Donc c'était quand vous vouliez augmenter dents, fallait augmenter dents et ça augmentait juste dents. Et en fait, vous voyez, là-dedans, on reçoit du bonus de mur d'os, de lance d'os, de cache thoracique et d'esprit d'os. C'est-à-dire qu'une fois que... En fait, là, je crois que c'est niveau 20 maximum sur les compétences. Quand vous accédez au niveau maximum de votre compétence, et ben après, il n'y avait plus moyen de l'augmenter. Et ça a été rajouté dans un patch après, où il y a des synergies. Et donc, le fait de... Par exemple, le lance d'os est quand même pas mal... assez intéressant. Et si j'augmente dedans, tout de suite... Et bah finalement ça sera utile pour lance d'os plus tard. Et donc ça permet de commencer à débloquer des trucs avant. Parce qu'avant bah voilà, fallait juste mettre les points de compétence dans la compétence en tant que telle. Mais pas au-delà. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool qu'ils aient ajouté ça à un moment du jeu. Je sais plus si c'était. Ça devait être dans un patch. Je suis même pas sûr que c'était dans l'extension, c'était dans un patch. Bref, voilà. Bon et sur ce YouTube, je vous abandonne ici. On se retrouve très prochainement pour soit du jeu en multi, soit encore du solo. On verra en fonction de la motivation. Je vous fais des bisous YouTube.